Tolobeavie.com. TOLOBELAVIE.com. www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com. www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com. Voilà. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur Tolobelavie officiel. Site où il y a la cabine chaque fois par information bouillée. Merci de votre fidélité. Merci vraiment na disponibilité na bino. Côté de la bise, topé, ça rend merci. Un grand merci encore à l'équipe Mobimbato le Belavie. Merci à Steve Malungwen et bon séjour encore na Afrique du Sud. Merci encore à Washington, le grand pays Naminique, Alvaro Mwanza, toujours, Eric Shimano, KPDG authentique. Ma cambeza est belle, il faut tout mettre à ma solo. Tout mes canaux sont développés. Na grâce à Tata Nzambe, à son cambeza, tout mes canaux sont développés parce que ma cambeza est belle, belle. Déjà pour tout banda, tout peut servir déjà moi, annonce, il y a. Il y a, c'est-à-dire, un petit nani de l'équipe. Vous voyez déjà que Félix Tshisekedi suspend l'installation des sénateurs élus. Donc, Félix Tshisekedi lutte contre la corruption. Le ministre a suspendre l'installation des sénateurs élus. Le sénateur Onyo Sobaza élu. Vous voyez que Moussala et Sili. Parce que Balobi, si suspension, il y a des qui n'ont. Et ici, là, le ciel est noté. Bah, oui, bah, pour revoir un mot ultérieurement. Donc, ultérieurement, donc, c'est-à-dire. Voilà. Encore, l'élection des gouverneurs renvoyée à une date ultérieure. Donc, na élection, il y a ma gouverneur, il y a un Pézali renvoyé. Na date, mon Pézali ultérieure. Donc, c'est-à-dire, bah, il y a un peu de temps, ceux qui sont pas aux ongles, là, voilà, tout développé en gros. Toujours dans Kati, il y a émission Oyo. Jean-Marc Kabound annonce des poursuites contre 26 députés provinciaux de l'UDPS. Voilà, donc, tellement à moi et belé. Pour tout que nous avons bien, et c'est tout le temps à moi, mais et à moi et belé. Ma campagne à moi et belé. Alors, côté à FCC, la minute yo, bangope ba yindi si ba tchè li baya. Ata bo yen a ba preuve na bino, yangonde te eko sala ke, ba annule élection ya ba sénateur. Wana, côté ya, ya FCC. Voilà. Bon, toi banana parce que tu vois que les cas mbango te toi tu as besoin au ministre oyo boyo kayé comme ça c'est aussi sinaye to zongi ce que toi banana nous hein toi banda siko penda masona biso to landa. En tout cas, un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, c'est l'évaluation de l'élection sénatoriale. Après avoir échangé, écouté les avis et considérations de nos participants, bien entendu, les chefs de l'État et les garants de la Constitution, l'article 160, alinéa 2, nous a été lu. Après avoir écouté les avis et considérations de participants, le président de la République a pris trois décisions importantes. La première mesure, de pouvoir suspendre l'installation de sénateurs. La deuxième, l'élection de gouverneur est également suspendue, renvoyée à une date ultérieure. Troisième mesure, il a instruit le procureur de la Cour de cassation de pouvoir mener des investigations, dépister tous les sénateurs qui se sont trempés dans la corruption
les sénateurs et les députés provinciaux, donc les corrupteurs et les corrompus, pour qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Il a insisté, il s'est battu, en tout cas, pour combattre les antivaleurs, et ça ne peut pas se reproduire sous son régime. Il continuera à se battre pour que ces antivaleurs disparaissent en République démocratique du Congo. Voilà. En d'autres termes, en tout cas, un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, c'est l'évaluation de l'élection sénatoriale. Après avoir échangé, écouté les avis et considérations de nos participants, bien entendu, les chefs de l'État et les garants de la Constitution, l'article 160 alinéa 2 nous a été lu. Après avoir écouté les avis et considérations de participants, le président de la République a pris trois décisions importantes. La première mesure, de pouvoir suspendre l'installation de sénateurs. La deuxième, l'élection de gouverneur est également suspendue, envoyée à une date ultérieure. Troisième mesure, il a instruit les procureurs de la Cour de cassation de pouvoir mener des investigations, dépister tous les sénateurs qui se sont trempés dans la corruption. Les sénateurs et les députés. Voilà. Bon, nous savons que ma image j'en ai songi. Donc, pour la preuve, Sabino, que Eza, Toza, vraiment, c'est-à-dire, Lelo, tu proposes Bino, moi, ma image, Botala, comme ça, après, tu me ka co-développer. Donc, Félix Tshisekedi, Ayambaki, Diaspora, hein, Tolanda, Botanda, Boyoka, Boyoka, moi, échange, Félix Tshisekedi, na Diaspora, après, Nassimade, tu kota la maman, na likambona bisou. Face à la diaspora congolaise, c'est dimanche 17 mars à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, en toute fermeté, avoue que la corruption ne sera plus acceptable dans notre pays et qu'il y a suffisamment de place pour que chaque Congolais y apporte sa pierre en vue d'améliorer sensiblement la vie de nos compatriotes. Et je sais que dans vos têtes, il y a beaucoup de questions qui circulent sur votre avenir, sur votre contribution à la lutte ou à la gestion du pays, parce que la lutte est terminée dans un sens, hein, la lutte d'accession au pouvoir est terminée, maintenant il y a la lutte pour reconstruire le pays. À l'occasion, le président a fait l'économie de son programme d'urgence sur le 100 jours. Qu'il n'y ait pas de détournement, ensuite d'augmenter les recettes et de mieux pouvoir répartir ou affecter ces richesses. Que nous avons créé à ce moment-là pour d'abord rehausser le niveau de vie des gens en augmentant leur pouvoir d'achat, leur salaire, leurs conditions de travail également et aller dans le soutien à l'entrepreneuriat congolais. Et là, j'ai mis beaucoup d'accent là-dessus parce que je compte booster les initiatives des privés, des Congolais, des entrepreneurs congolais. Parce qu'il est temps aujourd'hui qu'on crée une classe moyenne, une classe d'affaires congolaise, purement congolaise, sans vouloir discriminer les étrangers qui sont là. Mais nous allons aussi là remettre de l'ordre. Vous avez sûrement dû entendre parler d'une manifestation de travailleurs devant évidemment dans des entreprises tenues par certains opérateurs économiques étrangers. Nous les avons rencontrés pour être un petit peu au courant de ce qui se passe. Il y a des choses inacceptables. Nous n'allons pas nécessairement incriminer cet opérateur économique d'origine étrangère parce que le contexte dans lequel ils évoluent favorise ce genre de choses. Mais nous pensons qu'il faut améliorer le contexte et cela va avoir un impact sur l'économie nationale et pouvoir nous permettre évidemment d'atteindre les objectifs que nous voulons. Le chef a émis les vœux pendant son quinquennat de voir l'émergence de la classe moyenne. Face à la diaspora congolaise, c'est dimanche 17 mars à la Cité de l'Union africaine. Voilà. Je crois que vous avez un échange à Félix Tshisekedi na diaspora. Je suis un kobeta masolo ebele. Boyo ki bino moko parce que awo eza makambu ya parce que tozala mo makambu bele oyo ezosenga ke
solango donc ce lobby qui est tout vendre kaka sur place tout développer le comoko ils ont voulu parce que tout ça vraiment là-bas maman ma kambo oyo et singi il faut tout mika ko beta masolo wana donc voilà la minute sur quoi que président de la République Félix Tshisekedi lobby tout solo qui ils allaient que lelo et singa qui bazwa ba mesure moko ezala ki dur mais il faut que supporter yango élection salamaki il y a ba sénateur boyebi ki eta élection salamaki na sima base telemaki po mikolo ba obi base nde makambo. Je suis en train de base à Washington. Voilà. Donc, base est télémaki. Base balobi. Il faut nécessairement. Fait ce qu'il faut annuler. L'élection. La nomination. Il y a un tinaté. Alors, Poto Kota, na lisolo yango. Tu peux t'en avoir les solos mouquets déjà parce que ils ont la carte à ma solo. Jean-Marc Kabound ou Wakabound annonce des poursuites contre 26 députés provinciaux de l'UDPS. Donc le président délégué de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, Jean-Marc Kabound, annonce des poursuites judiciaires contre 26 députés provinciaux de son parti. Soupçonné de corruption lors des sénatoriales. Donc, Jean-Marc Kabound dit que ces élus seront déférés à la justice pour servir d'exemple de la lutte contre la corruption. Donc, la minute sur le que Jean-Marc Kabound ou Kabound appelle Mbela à l'objet de député provincial, c'est-à-dire. Bah, député professeur Nyoso, oyo va participer, oyo va dire qu'il y a corruption, na minute où il va être poursuivi na justice. Donc, bah, député Nyoso, bino va député oyo. Bon, dima ki yo, vous allez qui facile à corrompre. Jean-Marc Kabound alobi, makambo et koko souka boite, il faut nécessairement base à la traduire la justice et puis. Il y a un peu servir exemple et pas il y a un peu de ressources. Vous avez un peu de en direct, s'il vous plaît. Tu peux rappeler, non, merci. Donc, voilà. Balobi, condamnation à Bango et que servir exemple. Na bande de ressources, peut-être, Oyo Bagolinga, Basala, Makamu, Oyo, il y a l'olenge Oyo. Donc, na minute Oyo, parce que base était les maquis. Tout ça, moi, l'image, moi, tout là, c'est bien, non? Oui, salami, kaka, na makamboyo, makamboyo, salami, lelo, boy, bakye, batumisus, na minitoyo, bazuba, lumbe, lumbe, mouete, mouete, y'a niveau, moussous. Donc, tolanda yango, et le mona bino, comme ça, tout zonga, bon mona, niveau, y'a pillage. Parce que, bah, oui, migolo, son salaire, donc, base, son y'a télémi, voilà, tout à l'heure. Ah, c'est le député de l'UDPS. On a ravagé sa maison parce qu'ils n'ont pas voté leur ami. Je vais bien vous montrer toutes les images. Je viens. Ah. Ingine yo yini.
Ah, c'est ravagé toute la maison des députés. Hein? Mm-hmm. Du député. Qui s'appelle comment? Il s'appelle monsieur Wanzembele Kalengai. Ok, Wanzembele. Ok. Magina, bonjour. Nous sommes aussi au quartier sous l'insécurité. Hein? L'insécurité totale de ces députés. Mais comment il n'envoie même pas la police pour ça? Nous avons appelé, ça fait longtemps sans succès. Non, j'ai écouté que la police aussi s'est lavé les mains. Parce qu'ils aiment les changements. Hein? Il y avait une Jeep de phare d'essai, ils ont dit un. Ça, ce n'est pas notre problème. Avec tout ce monde, tu dois faire quoi? Rien. Oui, on a sa populaire dans ma ligne, on fait un bras zéro. On va te taper. Ça, il faut laisser. Ces choses comme ça. Moi, je lève. Je dis seulement à toute ma famille qui tombe. Allons même chez la voisine. Après, les baillés vont remplacer toutes choses là. S'il y a la police de l'autre côté, on verra. Parce que ceux qui sont là n'ont pas fou. Oui, oui. Ceux qui sont plus fous. Parce qu'ils ont le père des choses. Toutes les choses. Les habits des enfants, des parents, les fourchettes, les draps de lit, les bassins, la bière qui était dans la maison, même les boutures, même des maniocs, ravagés, déracinés. Ravagés tout. Oh là 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 là. Vous voyez là où nous amène la corruption. Voyez là où nous amène la corruption avec les députés de l'IDPS. Ils doivent lutter contre de ces grands partis. Quelle honte. Le tout maintenant ravagé. Maintenant on ravage les choses de Dieu. Oh, l'élite est parti de l'autre côté. Amenez l'élite. La vie peut changer un jour. Ça, ce sont des grands voleurs. Baba. Là, ça fait la rage. Baba, mon politique, je suis capable. Il faut être juste. Est-ce que Ilonga, tu veux là, on fait ça? Non. Et l'autre qui est sorti là, est-ce qu'on fait ça? On fait pas ça. Maintenant, il faut connaître. Est-ce que Wanzembele n'a pas voté aussi l'autre là? On connaît déjà tous les députés corrompus. Ah, ils sont déjà ciblés et bien connus. Ok. On dit que c'est Bavon, la maison est détruite. Bavon, c'est l'autre Bavon député. Bavon, oh, ouais. C'est où? Béni de Pesson, son côté. Il y a deux choses de côté. Je vais faire quoi avec ça. Amène les enfants vite, à la vite. Voilà. Donc, voler n'est pas bon. Kimoyibi, Soukanango,
au moins la pensée que non au comité d'un niveau oyo tant qu'on a un niveau yo si c'est la honte, c'est la honte d'abord pour la partie na yo oyo aux alaka membre. Et puis c'est la honte déjà parce que parti de quoi la IDPS n'a bien sûr IDPS c'est un pouvoir comment beaucoup dit ma va corrompre bino facile boy et ça la rata boy qui s'y prend parti il y a IDPS boy qui s'y parti sonia pour sa canati et on a moni ma camboyo il faut servir les sons et pas il y a bande de commissus ou peut-être bagozala na ma can ici. Il y a ça sous ma camboyo. Donc, il y a une minute où il y a déjà un yinda, il y a un sakanate. Parce que, Félix, c'est qu'il y a déjà un mokano. Azu mokano, c'est Zwami. La minute où il y a un mokano, c'est Zwami. Voilà. Donc, tout continue, Nabiso, ma soeur Nabiso. Tout continue. Je crois que vous avez un mokano. Vous avez un mokano. Jour J. L'élection des gouverneurs est renvoyée à une date ultérieure et l'installation des sénateurs élus est suspendue. Ces décisions ont été prises à l'issue de la réunion institutionnelle tenue à la Cité de l'Union africaine. Il a été demandé au PGR d'ouvrir des enquêtes sur les allégations de corruption des députés provinciaux. Information est aussi en haut na politico. Les amakambuya solo au salami lelo. Donc contre André Zali, cette réunion avait mis autour de Félix Tshisekedi, dit le président de la République, président CNIP Azalaki, avec le président de la Cour de cassation, le Premier ministre, le président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la Cour constitutionnelle, les conseils d'État, le président du CENSA, l'auditeur des FARDC, le procureur général près de la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation. Donc, décision Zanini, Ezali, suspension, il y a bas sénateur, c'est-à-dire, bas élection, il y a bas sénateur, il y a suspendu. Élection, bas gouverneur, il y a renvoyé à une date ultérieure. Donc, fait, c'est ce qu'il dit, à Zumokano, a décidé à l'objet. Makamboyo, il faut ici là. Makambouya corruption, il faut ici là. Alors pour ici là, il faut abandonner dans Makamboyo. Donc, vous voyez déjà que le minute yo, Makambeza yakobe ba yako sakanati. Fait ce qu'il dit normalement, lelo azoki ba mikano misatu. Yaliboso, suspension de l'installation des sénateurs élus. Yami Balé, report des élections des gouverneurs, la date Mogoza ultérieure. Yami Sato, les procureurs doivent ouvrir des enquêtes pour aboutir à la sanction des corrompus et des corrupteurs. Voilà, on les a dit trois décisions Oyo. Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo, Azwaki, Ponamukolo, Yalelo. Beaucoup remarqué que tu as changé, Bilili. Décision présente de la République Azui, mais pour le PPRD, pour la bataille PPRD, Balobi, même si les députés. Il y a eu deux PES sont reconnus coupables de corruption. Leur vote reste leur vote reste valable et ne sera donc pas annulé.
vote Oyabango, ça va rester valable et ne sera même pas annulé. Bon, ça n'a coûté donc. C'est-à-dire, au moment que Ndebalobaka, moi, à suivre moi, na minute. Parce que, comment le président de la République a su mon canot comme quoi à suspendre l'élection y a sénateur élu, mais PPRD, FCC, ba koti réunion. Maintenant, nani oyo aza ko dirige. Donc, PPRD, bango pe ba koti lelo kaka. Lelo. Buka lelo, lamba lelo. Balobi, pour la bango, même si ba député ya IDPS, ba reconnaître que baza coupable de corruption, mais pour la bango, leur vote reste valable et ne sera donc pas annulé. Nani aza ko décidé. Voilà. Bon comprendre niveau yo Congo za ko kende. Niveau makamba Congo za ko kende. Parce que Félix Tshisekedi étant garant de la nation, étant président de la République numéro 1, a eu une décision par rapport à la corruption et salami. Parce que normalement, il y a une fois la décision. Mais le président de la République a eu une décision, il y a qu'on suspendre l'installation des sénateurs élus. A eu encore mon canot. C'est-à-dire il y a un report des élections de gouverneurs la date moko ultérieure et atindi le procureur a fait l'enquête pour aboutir à la sanction des corrompus et corrupteurs. Mais côté il y a PPRD Bangobalobi, même si les députés y a IDPS bazo reconnaître que Bango de Bazaba Miyibi. Donc, maman fait ce que d'Alobi pour la Bango, Bako qui quoi annuler Nina Bango, c'est-à-dire pour la Bango Baza valable. Sikoyo, nani, tokoyo ka nani, parce que le président de la République a lobby. Oezanini. Oezan manquement, to ezanini. Parce que au moment qui plus loin au moment là, il y a tangi na journal Moko au côté ngo RD Congo News. Balobi Alain Tundu appelle à son tour à comptage des voix de la présidentielle. Balobi ceux qui beaucoup annuler, ceux qui beaucoup suspendre. Franchement, on se dirige vers une crise politique. Parce que comment le FCC peuvent rejeter l'annulation au président de la République Yemoko à quoi ici? Ce que tu as là, quelque part, franchement, tout ce qui est vraiment dans la crise politique, il faut nécessairement président de la République. À bête à peine c'était parce que yende aza garant de la nation yende aza moto ya yambo. Voilà chers frères, information tous qui n'ont yango wana boye ba que une minute yo ba ta FCC basangani ba telemeli annulation ba telemeli maloba ya mokonzi ya mboka tant kabila za so kabila lobby bino boleka bo telema bo loba. Ça n'existait pas avant. Mais pourquoi, c'est-à-dire, laisser aller total. Mais vous que, Bino Bato et Bolin, vous avez dit que vous avez que c'est Félix Mena qui dirige. Vous avez dit que vous avez dit que ceux qui vous avez dit que 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 vous avez dit
pour que je puisse prévenir. Élection, les cas qui m'a bé, pour moi, c'est ça qui m'a bé. Mais, bino moko lelo yo kaka, bobi misa que, parce que ce que vous avez tellement beau, c'est que vous savez quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière mon makambo. Mais si quoi yo, ce que vous pensez que vous pouvez, c'est quoi mon cousin à yote? Si quoi yo, pensez que mon cousin, vous pouvez quitter. Vous pouvez quitter que makambo vous soukabo. Bana Congo, tout est les mains, tout est les mains. Tout est les mains. Ah! Donc, André Alain Atunda Lobby, nous sommes prêts pour le recomptage des bulletins de vote des élections sénatoriales, mais nous allons commencer par le recomptage des bulletins de vote présidentiels. Aïe, 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 un manquement à respect vis-à-vis à Mukozi Mboka. Ils ont un manquement à respect. Normalement, tu sais qu'il passe à lui matin, la minute sur Yuma Kambu. Donc, c'est-à-dire, Mboutou Mboutou, Kita Kita, et si Koti. Merci, Nabane Konosso Bolandi Bissot. Tokuta la lelo à partir il y a 21h. Tome kako solo la. Bisona bino. Téléphone est aux allons ouvert. Tome kako solo la. Parce que ma kambo le bezali. Soto kima ki ma kambo la mouke zala ki par rapport. Il y a moi batu souba ne kokota. Ko me mamoua bouzoba. Il y a moi salek vraiment ki to dose mouke. Vraiment to zala. To sa la moua maturité. Hein? Soko koti. Et puis, au bengata moi 2 minutes et vous allez moi bien. Voilà. Restez connectés à Tolo Bela Vie. Bon s'abonner à Tolo Bela Vie. Vraiment, c'est une recommandation. Tout c'est une bonne. Bon s'abonner à Tolo Bela Vie. Tolo Bela Vie officielle. Vous s'abonner facile. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à Tolo Bela Vie. Restez connectés. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Ceux qui sont en train de se faire. Merci encore, l'équipe Nanga à Tolo Bela Vie. Merci, la grande équipe. L'équipe Nabiso à Tolo Bela Vie. Tolo Bosaka, Nabino, Sambino, Tolo Baka, Mawatro. Merci, na Washington, le grand pays Naminique. Merci, Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Merci, Eric Shimano, PDG Authentique. Bon séjour encore une fois, na réalisateur Nabiso Steve. Malongwene, en direct de l'Afrique du Sud. Donc d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, 21h juste, tous à connecter pour tous mes cacos sur la Macamboy. Merci beaucoup. TOLOBELAVIE.com TOLOBELAVIE.com www.tolobelavie.com